Donc, salut la gang, j'espère que vous allez bien, c'est super cool, on est une belle gang ce soir. Donc, comment ça va fonctionner ce soir? Moi et Maud et Marie-France, on va parler du coaching. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce qu'on fait de nos journées? Comment on s'est inscrit? C'est quoi notre parcours? C'est quoi notre histoire? On va parler de tout ça. Donc, moi, je vais commencer par raconter qui je suis, comment j'ai commencé, qu'est-ce qui m'amène à aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélissa Hart, j'ai 30 ans, je suis maman du beau Zachary, 3 ans, dans une super belle phase. Donc, moi, ça fait faire 3 ans que je fais le coaching. En fait, j'avais fêté mes 3 ans le 25 novembre. Donc, ça va faire 3 ans que je fais ce merveilleux travail. Parce que oui, c'est un travail. C'est un travail qui n'est pas dans la norme, mais c'est un merveilleux travail, puis vous allez comprendre à la fin de l'appel. Donc, moi, j'ai commencé comme étant participante. Tout comme j'étais participante, j'ai commencé avec le 21 Day Fix. Je venais d'accoucher, ça faisait trois mois que j'avais accouché. Donc, j'avais un gros surplus de poids, j'avais pris 80 livres pendant ma grossesse. Que j'avais beaucoup de difficultés à perdre, j'avais perdu peut-être le 20 livres, là, avant de commencer à m'entraîner, mais j'avais un autre 60 livres à perdre lorsque je me suis inscrite avec Beachbody. Donc, j'ai commencé le 21 Day Fix dans un défi santé avec ma coach. Et j'ai tombé en amour, tout simplement. Avec le 21 Day Fix, c'était parfait dans ma réalité à moi, avec un bébé naissant, avec le peur du jugement d'aller au gym. Je ne voulais plus y aller, j'avais trop de poids à perdre, donc je ne me sentais pas à l'aise d'y aller. Donc pour moi, ça a complètement changé mon mindset par rapport à l'entraînement et tout ça, parce que j'étais chez moi. Je le faisais quand mon coco faisait la sieste. Donc moi, je voulais le crier sur les toits. À toutes les mamans là, qui ne voulaient pas aller au gym, qui ne voulaient pas nécessairement aller courir ou quoi que ce soit, qui voulait vraiment quelque chose là, pour les aider. Moi, je voulais le crier sur les toits. Donc, j'ai signé coach après un mois, après un premier round du 21 Day Fix. Moi, j'étais vraiment là, trop en amour avec ce produit-là. Je voulais vraiment le dire à tout le monde qu'il y avait une solution pour des gens comme moi, des gens comme toutes vous autres, tout ça. Donc, je voulais vraiment là, le crier sur les toits. Puis, c'est pour ça que je suis devenue coach. Quand j'ai décidé d'être coach, je voulais le faire par pure passion. Je voulais le faire pour aider les mamans, aider les femmes, aider, tout simplement me changer les idées pendant mon congé de maternité, parce que moi, je suis une fille de projet, je suis une fille qui a besoin de faire quelque chose. Donc moi, ça faisait 3 mois que j'étais à la maison, que je m'occupais de Zachary, donc j'avais besoin de quelque chose d'autre. J'avais besoin là de pas seulement être une maman. Donc c'était par pur plaisir au début. Après quelques mois avec le coaching, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait une opportunité derrière tout ça. C'est incroyable ce qu'il y avait. Quand j'ai réalisé ça, j'ai fait « Oh my God! » Je suis vraiment dans quelque chose qui peut m'amener très loin. Moi, je suis travailleuse sociale dans la vie, donc j'ai toujours été très passionnée par l'écoute. J'adore écouter, j'adore aider, j'adore conseiller. Donc, j'ai toujours été dans ces domaines-là. J'ai été esthéticienne, j'ai été massothérapeute. Donc, j'ai toujours été dans le cocooning, dans aider les gens. Puis, avec le coaching, j'ai vraiment réalisé aussi, en devenant maman, que le travail social était rendu trop dur pour moi, parce que devenir maman m'a rendue une femme tellement sensible, tellement... faut que je me tienne loin de la négativité, faut que je me tienne loin des nouvelles, faut que je me tienne loin de toutes ces choses-là. Donc, le travail social ne m'interpellait plus. Donc, je voulais plus retourner dans ce domaine-là. Je voulais plus ramener des choses négatives à la maison, parce que j'étais ce genre-là, de ramener les choses que j'ai entendues, que j'ai vues, que j'ai dealé avec. Donc, c'est plus ce que je voulais. Puis, avec le coaching, ben, je faisais mon travail social quand même, parce que les gens se confient tellement à nous. Les gens nous demandent de l'aide, peu importe que ce soit avec la nutrition, que ce soit avec l'entraînement, que ce soit avec le développement personnel. Les gens ont besoin de notre aide. Donc, pour moi, je m'en sers de mon travail social tout en étant à la maison avec mon coco. Donc,
c'est là que j'ai voulu vraiment faire quelque chose avec cette entreprise-là. J'ai voulu vraiment pousser encore plus loin pour... moi, j'ai des grandes ambitions avec le coaching. Donc, après quelques mois, c'était plus juste un passe-temps, c'était vraiment un travail pour moi. Puis, avec le temps, c'est sûr que j'ai voulu monter mon équipe, puis tout ça. Puis, j'ai pu lâcher mon emploi pour rester avec Zachary à la maison. J'avais une peur bleue de la garderie. Je ne voulais pas emmener mon garçon à la garderie avant ses 2 ans. Donc, le coaching m'a permis de pouvoir rester avec lui jusqu'à ses 2 ans. Là, c'est sûr qu'il va à la garderie parce que... mon entreprise a pris un emploi que j'ai pas le choix d'y mettre du temps, c'est vu que je le fais à temps plein. Mais ça l'a devenu réellement une passion, même si, tu sais, ça a l'air facile de dire comme ça, j'avais énormément de craintes et je suis sûre que vous en avez, je suis sûre que vous avez beaucoup de questions. J'ai commencé le coaching, je faisais 200 livres. Beaucoup de gens se diraient, je ne peux pas être coach, je pèse 200 livres. Qui va vouloir avoir moi comme coach? Personne. Oui, je me disais ça, mais en même temps, je me disais combien de gens je vais inspirer par mon parcours, combien de gens je vais inspirer par ce que je vais devenir, ce que je travaille pour devenir. Et c'est ce qui est arrivé. Oui, je pesais 200 livres. Oui, ma confiance était... so-so. mais ça ne m'a pas arrêté à vouloir aider les gens. Ça ne m'a pas empêché de vouloir m'améliorer parce que je le savais qu'en devenant coach, j'avais un but encore plus fort de m'améliorer, de poursuivre mon parcours parce que j'avais tellement de gens qui me suivaient, j'avais des participantes, j'avais des coachs, j'avais tellement de gens qui me regardaient, me trouvaient inspirante de plus en plus. Donc, ça m'a toujours motivée. Puis encore aujourd'hui, ça me motive à continuer parce que si vous saviez combien de messages j'ai par jour de femmes, tout simplement qui me disent à quel point je suis inspirante. Se faire dire ça à tous les jours parce qu'on partage notre parcours sur les réseaux sociaux, moi, me lever le matin et me faire dire « Hey, Mélissa, t'es tellement inspirante, c'est toi qui me motive juste avec tes posts sur Facebook ou Instagram à me botter les fesses, à faire mon entraînement le matin. » Juste parce que j'ai publié une publication de mon entraînement ou peu importe. Donc, moi, recevoir ces messages-là, ça m'a toujours encouragée de me dire qu'en étant coach, c'est pas juste pour moi que je le fais, mais c'est pour tout le monde qui me suit, tout le monde qui me trouve mon histoire inspirante. Parce qu'en tant que coach, on va attirer les gens qui nous ressemblent, des gens qui s'associent à nous. Parce que oui, il y en a des coachs. Oui, je suis pas mal sûre que vous disiez, il y en a tellement de coachs, comment je vais faire ma place? On est tellement différents. On a toute une personnalité différente. On a toute une shape différente. On a toutes des cheveux différents. On a des valeurs différentes, des passions différentes. Donc, les gens qui me suivent, moi, c'est pour qui je suis. Donc, se voient en moi. Les gens qui suivent Maude, c'est des gens qui voient ce que les passions de Maude, parce qu'on est quand même 3 filles avec Marie-France, on est quand même 3 filles qui se ressemblent, mais 3 filles quand même différentes avec des différentes passions. Donc, les gens qui me suivent, moi, c'est pas nécessairement le même genre de filles qui suivent Marie-France. Donc, c'est ça qui est cool, c'est qu'on demande qui on est sur les réseaux sociaux, puis ça nous encourage à être encore plus nous-mêmes, à se dépasser, à devenir une meilleure personne. Une meilleure personne, parce qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement personnel quand on est coach. C'est une de nos tâches qui est hyper importante parce que c'est notre rôle. C'est notre rôle. Dans notre formation, quand on devient coach, c'est la première chose qu'on se fait dire, c'est d'être le produit du produit. Donc, prendre soin de nous en premier, puis après ça, on aide les gens entiers parce que ça va faire 3 ans que je suis coach, puis j'ai jamais reçu autant de doses d'amour, j'ai jamais reçu autant de remerciements, d'appréciation sur ce que je fais, puis c'est ce qui me rend vraiment très heureuse, puis j'adore tellement mon travail pour ça, puis c'est ce qui fait qu'on a le meilleur travail. On entend mon garçon, je suis désolée. Il y a 3 ans, les filles vont comprendre. donc, tu sais, c'est ça qui est le fun avec... c'est ça qui m'a
qui m'a permis de continuer ma remise en forme, qui m'a permis de continuer à prendre soin de moi, à devenir une meilleure personne, parce que la dose d'amour qu'on reçoit, c'est ce qui nous fait continuer. Donc, on grandit tellement dans cette aventure-là que c'est que positif. Donc, peu importe comment vous pesez, que vous avez encore du poids à perdre, que vous n'avez pas énormément la plus grosse confiance en soi, dites-vous là que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, vous allez tellement être fiers de vous parce que vous allez avoir travaillé sur vous. Moi, c'est ce que je me dis, parce que ceux qui me connaissent, je suis clairement pas la même personne lorsque j'ai signé coach à aujourd'hui. Donc moi, c'est ça qui me rend fière. Donc peu importe si vous avez peur de pas avoir le stéréotype, n'ayez pas cette crainte-là, parce que moi, je me suis sortie de cette crainte-là. Aussi la peur du jugement. J'avais tellement peur au début, je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que ma mère elle va dire si j'écris ça comme ça? Mes amis vont dire quoi? Mais il faut vivre notre vie pour nous. Puis si ça vous passionne, si un projet qui vous donne une petite flamme intérieure, il faut arrêter de penser à ce que les gens vont nous dire, parce que sinon, on n'avancera jamais dans la vie. Puis c'est ce que je me disais. Je me disais, si je veux atteindre ces objectifs-là, si je veux vraiment là, poursuivre ce rêve-là d'être une influenceur pour les femmes, je dois arrêter de m'arrêter à ce que les gens pensent. Pense de moi ou pense de mon poste ou quoi que ce soit. Puis aussitôt que j'ai arrêté d'avoir ce jugement-là, c'est là que je suis devenue tellement bien puis tellement à l'aise avec ce travail-là. Puis c'est ça qui est cool. Puis ça, c'est un travail qui se travaille aussi comme dans n'importe quoi. Mais donc voilà un petit peu mon histoire. Donc ça va faire trois ans que je fais le coaching, puis je suis loin d'avoir fini ce travail-là. Pour moi, je vais faire ça toute ma vie. Je suis passionnée, j'adore ce qu'on fait. Juste avec les aventures que j'ai eues depuis les trois dernières années, j'ai rencontré des femmes extraordinaires. Les deux à côté de moi, je vous vois à côté de moi. Je connaissais pas ces deux femmes-là avant le coaching. C'est devenu des super bonnes amies. On a fait des voyages ensemble, puis donc voilà, je suis super contente de vivre ça avec ces filles-là. Donc voilà mon histoire. Super simple, je suis une fille super simple comme vous, le même parcours que vous, puis voilà. Donc je vais laisser la parole à Maude qui va raconter son histoire à elle. Alors salut, moi c'est Maude, 30 ans. Maman d'un petit garçon de 11 mois, bientôt un an. Je vous dirais, mon parcours avec Beachbody est quand même très différent de Mélissa. Moi, j'ai tout le temps été une adepte de sport. Depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps été accro. La nutrition aussi, ça m'a toujours intéressée. J'ai même déjà pensé d'être nutritionniste. J'ai déjà pensé aussi de m'en aller suivre des cours comme ça. Mais ça l'a jamais donné. En fait, j'ai fait des régimes drastiques à n'en plus finir dans ma vie. Jouer au yo-yo, peser 20 livres de plus, revenir. Et quand j'ai parti à l'école en tant que coiffeuse, parce que je suis coiffeuse à temps plein, maintenant à temps partiel, en fait, quand j'étais coiffeuse à temps plein, j'ai parti à l'école et je me suis comme oubliée. J'ai monté, je pense, à 170 livres. Ça, c'était mon plus gros poids. Je me suis laissée complètement aller. J'ai fait comme peut-être une petite mini-dépresse, là, mais en fait, j'avais pris énormément de poids. Et quand je suis revenue par ici, j'ai tombé dans le surentraînement fois 1000. J'allais au gym 7 jours sur 7 avec ma belle amie Marie-France, qui est juste à côté de moi. Je donnais des cours de Zumba 7 fois semaine à travers de ça aussi. Bref, j'ai vraiment tombé dans le surentraînement. J'ai tombé vraiment... Justement, je faisais des régimes, protéines, légumes. Rien m'assemblait. J'étais tout le temps dans des up and down dus à des régimes. Puis, finalement, je ne m'aimais pas tant que ça, tu sais. Fait que, à un moment donné, ma coach m'a approchée sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit, j'aimerais, est-ce que ça te tenterait de faire partie, dans le fond, de faire les programmes de Beachbody, nanana. Puis, je vous dirais que ça m'intéressait parce qu'on s'entend, tout ce qui touchait l'alimentation et l'entraînement, ça me touchait beaucoup. Fait que
j'ai fait comme, ben pas tout de suite, là, je vais attendre un petit peu, puis vu que je donne des cours de Zumba, puis écoute, je m'entraîne, puis je suis dans mon tralala, ça marche pas tout de suite, t'sais. Fait que 2-3 fois, elle est revenue me voir, puis ça me chicotait tout le temps. Puis, à un moment donné, j'ai dit « go, j'embarque », je m'en allais dans le sud, j'ai dit « go, j'embarque », j'ai vraiment, mais tout ce que j'entreprends, ça fonctionne pas, je suis écœurée, j'ai le goût d'avoir un bon rythme de vie, avoir quelque chose de bien, parce qu'elle me disait que c'est, ça avait changé sa vie, puis j'avais vu ses résultats, c'était incroyable. Fait que je me suis lancée et pour la première fois de ma vie, je m'entraînais 30 minutes par jour, 6 fois sur 7 avec un beau petit yoga qui était le 21 des fixes aussi. Je pense qu'on a toutes tombé en amour avec le 21 des fixes au départ, le T25 aussi en fait. Puis c'est ça, 30 minutes par jour seulement. Puis même, j'ai vraiment eu de la misère. Il a fallu que je travaille beaucoup sur ça parce qu'on dirait que c'était comme pas assez pour moi. Mais c'est ça. J'ai fait 30 minutes par jour. J'ai suivi le guide alimentaire. Puis la première chose, j'ai dit à ma coach, j'ai dit « Non, mais c'est parce que je finis plus de manger. J'ai plus faim, moi, là, là. » Mais elle m'a dit « Oui, il faut que tu manges. » Fait que j'ai embarqué, puis j'ai perdu, je pense, en 21 jours, 10 livres one shot. Je suis partie dans le sud. J'étais à mon plus petit. Je m'aimais fois 1000. J'étais vraiment heureuse. Puis c'est ça. Mais elle m'a approchée pour le coaching et c'était comme pas le moment pour l'instant, comme j'avais une vie très, très occupée. Mais j'ai passé des DVD à ma belle amie qui est Marie-France, puis elle a commencé à faire T25, puis là, elle me parlait, puis là, on se parlait, puis dans 5 à 7, puis c'était vraiment une coach mode, puis j'étais là, ben non, voyons donc. Puis tout bonnement, c'était vraiment dans un 5 à 7, je me souviens comme si ça serait hier, je pense que c'était le 25 mai 2016, on était vraiment, on avait pris un petit verre, puis ma belle amie me dit, pourquoi tu te lances pas dans le coaching? Je te verrais tellement. Puis je lui ai dit, ben si je me lance, tu te lances avec moi. Fait que moi, le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai écrit à ma belle Marie-France et j'ai dit, est-ce que tu étais sérieuse quand tu m'as dit que tu embarquais avec moi? Elle m'a dit oui. On a fait la formation en une journée, si je me trompe pas. On a monté notre page. On était crinqués à bloc. On voulait sauver la terre entière. On voulait sauver tout le monde. Puis c'est comme ça, ça l'a commencé. J'ai eu des résultats incroyables. Je me suis dépassée. J'ai appris à avoir confiance en moi. J'ai appris à être une autre personne dont j'ai toujours rêvé d'être. J'ai appris aussi à écouter mon corps et m'accepter parce que, comme je le disais, j'ai fait du surentraînement, fait que ça m'a amené à avoir beaucoup de réflexions. C'est pas toujours facile, on travaille toujours sur ça quand même, mais avec tous les beaux programmes qu'on a, c'est plus facile justement de travailler sur nous-mêmes. Fait que c'est comme ça que ça a commencé le coaching. Écoutez, je suis coiffeuse, vous savez, les coiffeuses ont fait du 60-70 heures semaine. Quand j'ai commencé dans le coaching, c'était ça. Oui, c'est faisable de faire le coaching, même si on fait des heures de fou, même si on travaille de 7 heures le matin jusqu'à 8 heures, 9 heures le soir, 12-13 heures debout, c'est faisable de s'entraîner aussi, puis de faire le coaching parce que je l'ai fait. Je l'ai fait, puis je l'ai fait avec passion. Je mettais peut-être 1 heure par jour, je me levais un petit peu plus tôt le matin pour faire mes entraînements. Ensuite, je faisais un petit peu le coaching. Ensuite, quand j'avais un petit 15-20 minutes pendant ma journée, je faisais du coaching, je répondais à mes messages, je faisais des posts. Le soir, ben, je mettais peut-être une petite demi-heure parce que j'étais crevée, j'arrivais de la job. Mais c'est faisable parce que vous voyez où est-ce que je suis rendue maintenant. Ça va faire 2 ans et demi que je suis coach. J'adore ça comme le premier jour. Dans ce temps-là, j'avais pas d'enfant. J'espérais en avoir. Ça faisait 7 ans que j'essayais d'avoir des enfants. J'étais pas capable. Ça fonctionnait pas. Puis, c'est ça. J'ai fait le coaching à temps partiel. La fin de semaine, je mettais un petit peu plus d'heures, mais je le faisais avec passion, juste pour aider les gens dans leur remise en forme, aider les gens à prendre soin d'eux, écouter aussi les gens, comme Elissa le disait, on est déjà quand même des petite psychologue quand même, on aide tellement les gens que justement on est à l'écoute. Fait que moi j'adorais ça. Fait que c'était comme ça. Et à un moment donné, Mélissa nous a approchés à moi et Marie-France pour faire partie d'un concours et on s'est lancé. On a dit pourquoi pas. On se dépasse, on sort de notre zone de confort et on a participé à la Team Cup. Moi et Marie et Mélissa, on a remporté la Team Cup et c'est à partir de maintenant
de maintenant, de là, que j'ai dit, ouais, ma vision de la vie du coaching a totalement changé. On a quelque chose en or dans les mains. On a l'opportunité de voyager. On a l'opportunité d'aller partout. On a l'opportunité de faire des sous pour combler nos fins de mois. On a l'opportunité de gagner des sous pour justement se payer un voyage, aller au restaurant, se commander des vêtements, des choses qu'on ne peut pas nécessairement faire avec le coût de la vie. Fait que c'était mes petits plus que fait que mon chum m'a dit, écoute, vas-y, lance-toi, puis vas-y. Puis, à partir du mois de février, pendant le concours, j'ai appris que j'étais enceinte. Ce mois-là, j'avais décidé d'abandonner. J'avais décidé d'abandonner d'avoir des enfants. J'avais dit, non, c'est pas pour moi d'avoir des enfants. Et je me suis lancée vraiment dans le coaching. J'ai dit, je vais être le produit du produit. Je vais être la meilleure coach au monde. Je vais être là pour tout le monde. Je vais voyager. Et croyez-le ou non, c'est là que j'ai su que j'aurais été maman. C'est à partir de là que ma vision, encore là, du coaching a encore changé. Parce que je vous dirais qu'en étant maman coiffeuse, j'ai été en arrêt à partir de 31 semaines, fait que c'était très, très inquiétant pour moi parce que coiffeuse, pas de salaire. Rien qui rentre. Oui, on avait quelque chose, mais c'est tellement minime. On peut pas vivre avec ça. Mais j'avais le coaching qui était là pour moi, qui était l'opportunité que j'avais pour me faire une paye, pour ne plus travailler le soir, pour passer plus de temps avec mon coco, au lieu d'arrêter juste 2 semaines puis recommencer la coiffure tout de suite comme j'aurais été supposée être, j'ai pu me permettre 2 mois à temps plein avec mon coco, me faire des salaires quand même assez stables, gagner ma paye, gagner ma vie tout en étant chez nous, à profiter de mon petit garçon. Fait que pour moi, ça a vraiment été une opportunité en or. Fait que par la suite, je me suis lancée vraiment beaucoup plus dans le coaching. J'ai fait le coaching à temps plein dans ce moment-là. Et par la suite, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, moi, je m'enligne 2 jours/semaine seulement dans la coiffure. Oui, je vais faire peut-être 2 12 heures ou peu importe, 10 heures, 2 fois par semaine. Mais je me lance vraiment dans le coaching puis je profite de mon garçon. Je profite de la vie. Je travaillerai plus le soir comme j'ai travaillé et je travaillerai plus les fins de semaine. Fait que le coaching m'a vraiment apporté cette opportunité-là. Fait que maintenant, je vous dis, quand que je travaille mes 2 jours/semaine, mes 2 12 heures, je me lève plus tôt le matin, je fais toutes mes choses, je réponds à toutes mes clientes. Mes clientes, ils savent, je leur dis, je les coach comme que je coacherais quelqu'un qui travaille à temps plein. Puis, c'est ça. Par la suite, quand j'ai des petits 5 minutes, je le prends. Le soir, quand j'arrive, j'ai hâte d'arriver où ce que mon ordinateur, mon chum va se coucher. Moi, je fais un petit peu de choses sur mon ordinateur pour continuer mon rôle de coach et j'ai hâte de me coucher pour me lever. Imaginez-vous donc tellement que j'ai que ça donne une drive. C'est inspirant de partager la même passion aussi avec des gens, les deux qui m'entourent juste à côté, de se partager 150 000 fois par jour, d'animer des défis de groupe, de faire ce qu'on aime, puis d'être là un pour l'autre. Fait que j'ai rencontré aussi des filles incroyables dans des voyages avec Beachbody, puis qu'on se passe 100 000 fois encore par jour. On a des buts, on se rencontre, on va se rencontrer très bientôt justement dans un chalet pour se revoir. Nos chums sont rendus chums. Écoutez, c'est tellement quelque chose qu'on pense jamais qu'on a entre les mains, mais c'est ça. Le coaching a vraiment changé ma vision de la vie, puis a vraiment changé ma façon d'être. Puis pour celles qui me connaissent, j'ai vraiment évolué, je pense, parmi tout ce parcours-là. J'ai jamais été à ma taille du secondaire, je le suis. Je suis heureuse comme mille. Si vous suivez ma page, je le dégage. Je veux le montrer à la terre entière. Et si vous regardez alentour de vous, si vous regardez votre famille, je suis sûre et certaine que vous allez à quelque part puis vous dites, elle, je peux l'aider. Elle, je vais être capable de l'aider. Il y a tellement de gens qui prennent pas soin de leur santé. Il y a tellement de gens qui ont un surplus de poids. Même, je pense, Marie va pouvoir en parler tantôt de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide et on est là pour ça. J'ai jamais eu de commentaires négatifs par rapport à ce que j'approchais les gens. Au contraire, j'ai
que des commentaires positifs. Tu me drives, tu m'inspires. Depuis que je vois tes posts, hey, ça, c'est fou. J'ai recommencé à m'entraîner. Je prends soin de moi. À toutes les fois, je vois ta photo sur Internet, là, t'es tout le temps là, dans le bon moment. Fait que c'est ça, être une coach. C'est vraiment d'encourager les gens dans leur parcours, puis de façon positive. Il n'y a pas de négatif là-dedans. Fait que sur ça, c'est vraiment mon parcours, mon histoire, puis si je peux finaliser ça, c'est vraiment... Je regrette de ne pas avoir pris l'opportunité avant. C'est le seul regret que je peux avoir. Fait que sur ça, je laisse ma belle Marie-France raconter, elle aussi, ses choses. Oui, je vais faire ça court, Émilie. Il est quand même 10 heures chez toi. Bon, on a parlé un petit peu de mon parcours. Moi, j'étais une maniaque d'entraînement. Je vivais au gym, littéralement. Je passais 2 heures par jour au gym. Puis, j'avais même pas de programme. C'est Maude qui m'avait passé une clé USB avec le T25. J'ai fait ça un mardi soir. Je me souviens comme si c'était hier. Je ne suis plus jamais retournée au gym après ça. J'ai commencé le T25. Puis, je suis tombée en amour avec les programmes. Puis, j'ai voulu partager la bonne nouvelle. Je pense que 2 semaines après, je suis devenue coach avec Maude. Moi, je voulais partager la bonne nouvelle. Je voulais prouver aux mères de famille parce que j'ai 2 filles. J'en ai une qui, là, présentement, elle a 11 ans, puis l'autre a 8 ans. Fait que j'ai une vie archi chargée. Je suis enseignante au primaire. Donc, j'ai une vie très chargée. Puis, je voulais prouver justement aux gens que c'était possible de prendre soin de nous. C'était possible de s'entraîner, de bien manger, mais de continuer aussi de profiter de notre famille. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis lancée dans le coaching. Tête première. Je n'avais pas pensé pantoute aux engagements que ça pouvait impliquer. Je ne connaissais même pas chez Keo. Je n'avais rien consommé. Je me suis lancée là-dedans, all-in. Ça a super bien été, mais il faut que je vous parle de quelque chose. Veux pas, si vous êtes là ce soir, si vous avez un petit intérêt pour le coaching, puis je suis pas mal certaine que si on est 9 ce soir, il y en a 7 qui ont peur de publier, devient coach. C'est la base. Il faut qu'on se montre sur les réseaux sociaux, il faut qu'on publie. Et moi, c'était ma plus grande peur. Écoute, en étant enseignante, de 1, de 2, je reste dans un petit coin où tout le monde se connaît. Donc, moi, je me disais, je vais aller à l'épicerie, puis ils vont dire, « Ah, gars, c'est elle, là, ça fait pas six. » Pas son temps publié sur Facebook. Mais j'ai laissé cette peur-là de côté. Ça m'a empêché de dormir un petit peu. Mais toute la gratitude que le coaching pouvait m'apporter, hein, j'ai laissé ces jugements-là de côté. Puis, le coaching, moi, ça a changé littéralement ma vie. C'est tellement gratifiant. J'adore enseigner, mais coacher, c'est gratifiant fois 1000 d'aider les gens. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Puis, moi, ça a été comme une sorte de révélation parce que le fait de publier mon histoire, le fait de partager un peu mes états d'âme, tu sais, c'est sûr que je ne parle pas du négatif là, trop, là, mais la vie n'est pas toujours rose. Puis juste le fait de le publier, de le partager, ça me fait du bien. Puis je fais du bien aux gens aussi. Fait que j'ai mis cette peur-là de côté. Maintenant, je ne me gêne plus de publier. Quand j'ai le goût de publier quelque chose, je le publie. Par contre, je suis enseignante, donc puis j'enlève rien à celles qui le font, mais je n'irai pas me poser en top de sport. Puis ça, c'était ma crainte au départ. Je me disais, si je ne me pose pas en top de sport, je ne pourrais jamais vendre, moi, de programmes d'entraînement, tu sais, les top coachs se posent en top de sport. Moi, je pourrais jamais, mais oui, ça marche pareil. Moi, je mise beaucoup sur... ben, tu sais, je monte mes muscles un petit peu, là, mais je monte pas de peau, j'en monte pas trop. Puis, je mise sur le message que j'ai à passer. Je suis moi.
Pas personne d'autre. Je publie mon parcours à moi. Puis, j'inspire, comme Mélissa disait tantôt, moi, j'inspire mon genre de filles qui veulent me suivre. Celles qui sont en top de sport, ben ils vont rechercher probablement d'autres genres de personnes. Puis, il y a beaucoup de coachs, c'est vrai. Puis ça, j'ai déjà dit ça à quelqu'un. Il y a beaucoup de coachs, mais il y a tellement beaucoup plus de gens à aider. Moi, je prends toujours exemple. Je reste dans une petite rue secondaire. Je connais tout le monde. Puis, on est deux personnes qui font Beachbody dans la rue, là. Fait que je pourrais aller... J'en ai d'autres personnes à aider juste ici, là. Fait qu'imaginez-vous au Québec comment est-ce qu'il y en a des gens à aider. Fait que... Puis d'avoir des petites craintes, d'avoir des petites peurs, les filles, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus parce que c'est un changement. Moi, j'ai passé de zéro publication sur Facebook à une ou deux publications par jour. Donc, c'était le changement, puis le changement fait peur, sauf que faut pas s'arrêter à ça parce que ce n'est que du positif. Facile tout le temps? Non. Moi, je concilie maintenant, je dis maintenant parce que j'arrive de 7 semaines de congé, vacances d'été, mais je concilie très bien enseignement. Mes deux filles jouent au hockey. J'ai une vie 24 heures dans une journée. J'en prendrais 27, mais écoute, il faut que je fasse avec le 24 que j'ai. Je m'organise avec. Je me lève tout le temps 1h15 plus tôt. C'est mon moment. Je descends dans mon bureau, puis je travaille. Je connecte avec des gens, je travaille. Sur mon heure du midi, je peux mettre une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Puis le soir, ben quand les devoirs sont faits, tu vois, tantôt, j'étais allée à l'aréna. J'ai regardé quand même ma fille, mais j'ai pu répondre à quelques messages quand même. On peut le faire de n'importe où. Puis, on investit le temps qu'on a. Mélissa et Maud, ils ont plus de temps que moi. Ils en investissent plus. Mais je m'organise très bien. Je réussis très bien. Je peux me payer énormément de choses grâce au coaching. Donc, j'ai voyagé pour la première fois. Je n'étais jamais sortie du Québec grâce à Mélissa Hart, qui est à ma droite ce soir. Je suis allée en Californie. Puis là, je vais faire 2 autres voyages cette année. Tout grâce au coaching, j'aurais jamais pensé que ça allait m'amener là. Je regrette aucunement de m'être lancée là-dedans. Puis, je vous dis, les filles, si vous êtes là ce soir, si vous avez la petite étincelle, puis faites-vous confiance. C'est la seule chose que je peux vous dire. Faites-vous confiance. C'est normal d'avoir des craintes, c'est normal d'avoir des peurs. Écrivez à votre coach, elle va être là pour vous autres. On est là, on est une petite communauté, on n'est jamais tout seul. On n'est jamais, jamais, jamais laissé à nous autres mêmes. Oui, on est derrière notre ordinateur ou notre cellulaire qui nous suit partout, mais si on a une question, il va toujours avoir quelqu'un pour nous autres. Fait que sur ce, je vous dis bonne soirée. Je vais laisser le mot de la fin à Mélissa ou à Maud, mes deux collègues amis. Vous êtes toutes les filles. Je voulais ajouter que chaque coach a ses propres objectifs. On n'a pas tous les mêmes objectifs et chaque objectif sont bons. Que ça soit pour justement un petit revenu de plus pour se gâter, c'est correct. Que ça soit pour un petit peu plus se faire des voyages, gâter nos enfants, les inscrire dans des sports, peu importe. Ou que ça soit pour, hey, moi j'ai le goût de me lancer là-dedans en feu, je veux le faire à temps plein. Peu importe l'objectif que vous avez, c'est correct. Puis vous n'êtes pas obligé d'en avoir des énormes comme si vous n'avez des petits, c'est correct aussi, là. Puis même si on dit beaucoup de coachs, mais en réalité, il y a beaucoup de coachs aussi qui le font que par motivation de partager leur parcours. Et qu'est-ce qui arrive aussi avec Facebook, c'est qu'aussitôt que vous cochez sur une page de coach, Facebook va juste vous montrer des pages de coach. Si on regarde statistiquement le nombre de personnes qu'on est au Québec, le pourcentage de coachs qu'on est au Québec, on n'est vraiment pas beaucoup de coachs, là. Vraiment. Il n'y en a pas assez de coachs pour justement aider toute la clientèle
qu'il y a. Parce que Mélissa Hart, ici, n'aide pas toutes les clientèles. Mélissa Hart, elle aide beaucoup les gens qui ont beaucoup de poids à perdre. J'aide beaucoup les gens dans le domaine de la santé, infirmières, tout ça. J'aide beaucoup, beaucoup les mamans. J'attire pas les étudiantes, j'attire pas d'autres genres de clientèle, des filles qui aiment les tops de sport abdos, j'attire pas ces filles-là. Donc, ça prend plusieurs coachs pour aller chercher tous les types de personnalités, les types de personnes. Donc, c'est ce que je voulais ajouter par rapport aux objectifs. Et par rapport à vos objectifs, votre coach va travailler avec vous par rapport à cet objectif-là. On n'est pas là pour vous mettre de la pression. Il n'y a pas personne qui va vous dire quoi faire. Il n'y a pas personne qui va vous dire « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, là? Je t'ai pas vu, là! » Il n'y a pas personne qui va vous dire ça. Il y a une formation pour vous. On a monté une formation pour vous dire et vous montrer quoi faire, comment le faire, si vous voulez atteindre vos objectifs. C'est quoi les comportements vitaux? Comment connecter avec les gens? Comment inviter les gens? Comment faire des belles pubs? Comment bien se présenter? Et les choses plus techniques. Du système puis tout ça là, avec les clients, mais on a une belle formation pour vous et à partir de là, on travaille avec vous selon vos objectifs. C'est pas moi, c'est pas Maud, c'est pas Marie-France qui vont vous dire « faut que tu fasses ça, c'est ça tes objectifs, c'est ça que tu t'en vas chercher ». Non, c'est vous autres qui vont nous dire « moi je vais me rendre là, Mélissa, donc Maud ou Marie, et on va travailler avec vous par rapport à ce que vous voulez atteindre ». Vous êtes votre propre patron. Vous travaillez les heures que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. C'est sûr que si, quand vous nous dites les objectifs que vous voulez atteindre, comme j'ai dit, on travaille avec vous vers ça. Et après ça, c'est à nous de mettre les actions si on veut réussir. Mais on est tellement, 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 tellement une belle communauté derrière tout ça. Là, c'est fou comment qu'on est une belle famille. Donc non, comme Marie disait, on n'est tellement pas seul. Quand on signe coach, là, c'est pas « OK, t'es signé coach, go! » Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. On se tient, on est vraiment tous ensemble. Au début, là, vous avez accès à nos groupes défis. Vous pouvez mettre vos clientes dans nos groupes. On sait c'est quoi partir. on sait c'est quoi le début de coach. Donc, vous avez accès à toutes nos choses, à tous nos documents, nos fichiers, nos trucs, nos motivations. Vous avez accès à tout ça. Donc, si c'est une crainte pour vous, je vous assure qu'on est là ensemble pour vous. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions. Je n'ai pas regardé s'il y avait des questions dans le chat. Non, il n'y a pas l'air. Si vous avez des questions, par contre, vous pouvez enlever votre micro puis poser vos questions. On va vous répondre sans problème. Qui a des craintes ici qu'on n'a pas parlé? Moi, je suis curieuse. Qu'est-ce qui vous ferait hésiter de ne pas embarquer dans l'aventure? Je suis curieuse. De ne pas lancer votre page, le genre en fin de semaine. Là. Qu'est-ce qui vous arrête? D'abord, OK, vous n'avez pas de crainte, donc vous êtes toutes des nouvelles coaches? Ben, d'après moi, on a fait le tour parce qu'on les a tous ces craintes-là au début. On a toutes partie de la même place que vous. J'ai peur d'être lâche. Oh my God, mais ben lâche. Je t'assure, quand on est coach, on n'est pas les filles les plus parfaites, là. On n'est pas les filles les plus constantes dans nos entraînements. On a une motivation, c'est sûr, comme que je disais, on a des participantes, on a tellement de filles qui nous suivent, qui pour qui on inspire. C'est sûr que c'est une motivation fois mille de poursuivre notre parcours de remise en forme puis de continuer notre mode santé. Mais je suis la première ici qui a des rechutes. Je suis la première ici qui va parfois chercher une barre de chocolat. Et je l'assume et j'en parle sur ma page. Je ne cache rien sur ma page. Je suis humaine et j'en parle que j'ai des rechutes. Puis c'est ce qui encourage les gens à voir que on est tous humains, puis c'est correct d'avoir des rechutes, même en tant que coach. Là. Pas parce qu'on devient coach qu'on est obligé de manger A1 tout le temps, de faire nos entraînements tous les jours. On n'est pas obligé. Vous allez en avoir là, des rechutes comme moi si vous êtes comme moi. Non. C'est juste que vous allez avoir une motivation de plus, encore plus, de se remonter plus vite parce que
On est tellement une inspiration pour les gens. Donc, ouais. Si c'est la peur d'être lâche, crois-moi, tu vas avoir une motivation fois mille de te relever plus vite. Puis je pense qu'en étant coach aussi, tu as une deuxième motivation de plus parce que les gens sont tellement habitués de voir tes stories, puis même toi, tu es tellement habitué de les montrer ou poster sur tes défis groupes que tu vas penser à tes participantes, puis automatiquement, ça va venir un automatisme. Il y a des fois que tu vas dire « faut que j'écoute mon corps », puis tu vas le partager aussi sur les réseaux sociaux, puis c'est correct. Parce que justement, quelqu'un va se retrouver et va dire « c'est pas normal qu'elle s'entraîne tout le temps ». Tu sais, c'est pas normal, il y a personne qui est une machine. Là. Fait que c'est normal d'avoir des breaks, c'est normal d'avoir des arrêts d'une couple de jours, c'est normal de devoir écouter son corps. Mais je pense qu'en étant coach, premièrement, ta motivation, c'est de prendre soin de toi. Puis c'est pour ça aussi que tu te lances en tant que coach. Puis deuxièmement, ben c'est de montrer l'exemple. Fait que ça te donne encore plus la motivation de prendre soin de toi puis de le montrer. Fait que... C'est comme des mamans. Tu sais, quand on est maman, on peut montrer l'exemple à nos enfants. On a une motivation de plus à manger des légumes. On veut montrer à nos enfants. C'est un exemple, mais tu sais, on veut montrer l'exemple, donc on se doit de... Ben, moi, personnellement, ça me motive encore plus de montrer l'exemple. Donc, comme Maud a dit, « Oh my God, ça fait 2 jours que je ne me suis pas entraînée. Qu'est-ce que mes participants vont dire? » Elle s'entraîne, puis moi, je ne me suis pas entraînée. Ah ouais, Mélissa, pace play. Moi, ça me motive beaucoup, beaucoup. Là. Tu veux quand même être le produit du produit. Tu sais, tu veux montrer c'est quoi les entraînements de fond. Fait ça vient tellement un automatisme, là, c'est incroyable. Parce que on s'entend que j'ai beaucoup... On a des coachs, là, que justement, ils ne s'entraînaient pas avant, puis ils ont commencé avec Beachbody, puis ils se sont lancés à pieds joints tout de suite dans le coaching sans avoir eu un intérêt vers l'entraînement. Tu sais, avec le programme To Be Mindset aussi, tu sais, si toi, t'es forte, admettons, plus sur l'alimentation, ben tu sais, tu vas pouvoir plus propager l'alimentation, puis l'entraînement un plus. C'est, on a tellement de choses, on a tellement de produits que tu vas te retrouver aussi dans ce que tu aimes, puis tu vas le dégager sur ta page, c'est quoi que tu aimes le plus, puis ça donne vraiment la motivation, je pense. Fait que Joannie, si tu as peur d'être lâche-toi dans le coaching, c'est sûr que tu vas avoir la motivation dans le tapis. Oui. C'est sûr, parce que j'ai signé coach, je faisais 200 livres. Je suis persuadée que si j'aurais pas signé coach, je serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui. Parce que j'aurais pas eu cette motivation. Parce que ma première année en tant que coach, elle a été là, ma remise en forme. J'ai perdu 60 livres. J'ai travaillé énormément sur moi. Perdre 60 livres, ça prend du travail dans le coco, ouais. Beaucoup plus que dans l'entraînement et tout ça. Donc, hey, ça motivait, là, que moi, je me disais, hey, je vais préparer des belles assiettes, je vais pouvoir montrer ça à mes participants, je vais pouvoir partager ça sur ma page. Là, je me disais, OK, le dimanche, je me disais, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir partager sur ma page de cool, de... Là, je cherchais plein de recettes. Moi, quand j'ai commencé le coaching, là, j'étais même pas capable de faire un omelette, j'étais même pas capable de faire rien, là. J'étais nulle en cuisine. Puis aujourd'hui, je me débrouille très bien quand même. Je suis pas la plus bonne, mais je me débrouille quand même. Donc, tu sais, on découvre des nouvelles passions. Puis, tu sais, souvent, il y a souvent des filles qui me disent ça. Ouais, je suis pas capable de cuisiner, moi. Hey, j'étais même pas capable de faire un grilled cheese sans brûler, là. Donc, tu sais, on apprend à aimer ça, T'sais, je m'assisais le dimanche, là, je cherchais des recettes tout ça pour pouvoir le partager, pour pouvoir aider les gens. Moi, j'étais une liste recette sur ma page. Au début, là, j'en faisais, ça n'avait plus d'allure. Les gens me demandaient des recettes. Je connectais avec ces gens-là. Je me découvrais des super beaux liens avec ces filles-là qui sont devenues des participantes, qui sont devenues des coachs. Donc, c'est tellement cool de se lever le matin et se dire « Qui je vais aider aujourd'hui? Quelle vie je vais changer aujourd'hui? » Puis même s'il y a des journées, on s'entend, il y a des journées où est-ce que on va juste avoir des noms, les filles ne seront pas motivées, n'embarqueront pas dans nos défis, puis ça, c'est correct aussi, là. Mais j'ai quand même jasé avec des femmes, j'ai connecté avec des femmes. Ces filles-là qui m'ont dit non, ils n'étaient peut-être pas prêtes, mais ces filles-là, ils reviennent tout le temps. 2-3 mois plus tard, ces filles-là qui m'avaient dit qu'elles n'étaient pas prêtes, qui n'étaient pas rendues là dans leur vie, bien, regarde, aujourd'hui, c'est mes filles qui ont des plus beaux résultats dans mes groupes des filles. C'est des filles qui deviennent même coach plus tard. Donc, c'est que positif.
Puis comme on n'arrête pas de dire, c'est de la motivation encore plus quand on est coach. T'inquiète pas, tu vas trouver le temps que tu as, oui. Parce que c'est Émilie qui a dit qu'elle a peur de ne pas avoir le temps. C'est sûr que c'est une crainte au début, là, tu sais, parce que moi, j'étais prof, puis déjà, à la base, je trouvais que j'avais pas de temps juste en étant prof. Fait que là, j'ai combiné le coaching. Il suffit de d'être planifié. Moi, je suis planifiée au quart de tour, malgré que ma planification m'a amenée à un moment donné à devoir travailler sur moi. Mais je confirme que c'est très possible de concilier le coaching, ton travail à temps plein et ton rôle de maman. Trois? T'as-tu trois enfants? T'as trois enfants? OK, il m'en manque un pour être égal à toi. Mais j'ai mon chum. Donc, il compte pour deux, lui. Quatre. Je te dirais que le hockey fait partie de ton troisième enfant. Là. Le hockey, c'est l'enfer. Moi, mon chum est tout le temps au hockey. Mes filles jouent au hockey. C'est ça. Mais j'ai réussi très bien. Il suffit, moi, c'est devenu une véritable passion, le coaching. C'est une passion. J'ai même pas l'impression de travailler quand je fais ça. Même si j'ai une semaine que j'ai rien vendu, ça m'apporte tellement. C'est comme, je le vois maintenant, c'est comme un passe-temps. Moi, mon chum, il me reprochait tout le temps. Il disait tout le temps que j'avais pas de passe-temps. Puis il voit ma mère qui vieillit, qui justement n'a pas de passe-temps. Puis lui, il voulait pas que je vieillisse de même. Là. Fait que pour lui, il trouve ça merveilleux que je m'accomplis là-dedans. Tu sais, puis il voit, là. Il voit, là. Quand j'arrive en haut, puis... J'arrive de mon bureau, puis je viens de jaser avec des femmes, puis je viens d'avoir un call, puis je suis heureuse. Mais je sors de ma zone de confort, chose que je ne faisais pas avant. Avant, je restais dans mon confort, puis là, j'en sors le plus possible. C'est dans l'inconfort qu'on devient plus fort. Moi, cette phrase-là, elle va me suivre tout le temps. Puis c'est sûr que c'est énervant au début, mais je te dis, Émilie, tu vas avoir le temps. Tu vas trouver le temps. Oui, le temps, dans la formation, on en parle beaucoup, puis j'en parle beaucoup aussi là, en one-on-one avec vous. Souvent, on dit, là, j'ai pas trois enfants, donc c'est pas la même mentalité. J'ai pas la même... Julie, t'en as plus. Hein? J'ai dit, Julie, t'as plus de défaite. Je suis déjà coach, c'est pour ça que j'ai écrit ça. Ah, je disais. Avec Claudie Fournier, moi. Fait que c'est pour ça que j'ai écrit ça. OK. J'ai écrit pour l'encourager, dans le fond, là. Excusez. Parce que moi, c'était ma défaite que je disais toujours à Claudie. Parce qu'il a fallu, en tout cas, Nouvelle-Écosse, que j'en fasse 5 cours pour avoir ma formation d'enseignante. Je suis enseignante, j'ai 2 enfants, on n'a pas de famille ici, personne qui peut s'occuper de nos enfants. Puis c'est ça que je disais tout le temps, que j'aurais pas le temps. Puis j'étais à l'université, puis tout. Puis en tout cas, pour avoir mon brevet d'enseignement en Nouvelle-Écosse, puis finalement, ben j'ai trouvé le temps. Tu sais, c'est comme on trouve le temps. Puis tu sais, c'était comme tu dis, super organisé. Tu sais, comme les enfants, je faisais mes cours, mon chum, tu sais, comme on est partner. On a du success partner comme coach, mais on a aussi nos chums comme partner. Puis tu sais, ils nous aident vraiment beaucoup. Ils s'occupent des enfants, j'en fais une petite demi-heure. Fait que tu vas trouver le temps. Fait que je vous laisse parler les filles, mais c'était juste que... C'est ça que j'écrivais. C'est totalement vrai parce qu'il y a tellement de choses qu'on fait dans la journée qui est une perte de temps puis qu'on ne réalise pas. Puis dans la formation, on en parle, puis j'en parle, comme je disais, en one-on-one. Combien de fois qu'on ouvre notre téléphone puis qu'on est sur Facebook puis qu'on fait juste scroller, là? Tu checkes sur Facebook, ah, des vidéos, on écoute une vidéo. Tu passes probablement là, une demi-heure minimum sur Facebook à regarder des vidéos puis des photos de tes amis ou quoi que ce soit. Ce 30 minutes-là là, peut être un 30 minutes de connexion avec des femmes, 30 minutes de préparer des posts ou 30 minutes de peu importe. Juste 30 minutes, là, vous pouvez accomplir énormément dans le coaching. Énormément. Donc, tu sais, il y a souvent un 30 minutes. Tu sais, si votre préparation de bouffe n'est pas faite,
juste ça, là. Moi, avant, je ne le faisais pas, ma préparation. On peut arriver le soir. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Là, on est à peu près une demi-heure à penser à qu'est-ce qu'on mange. Bon, là, je vais aller à l'épicerie, il me manque ça pour faire à souper. Juste ça, là, c'est des petites pertes de temps, des fois, qui font en sorte qu'on arrête tout ce temps-là pour le coaching. Le soir, quand on écoute la télé, il y a probablement une émission que tu peux enregistrer, que tu peux écouter plus tard, soit à la fin de semaine ou quoi que ce soit, que tu peux garder cette heure-là pour le faire le soir. Quand on écoute la télé avec nos chums le soir, puis qu'on se parle même pas, pourquoi pas prendre ce temps-là pour travailler sur votre entreprise, à connecter avec des gens? Moi, des fois, le vendredi soir, mon chum me dit « Hey, qu'est-ce que tu fais à soir? » Je dis « Ben, je vais travailler. » Il dit « Ah, pas trop, je me loue un film. » Moi, je me coule un petit verre de vin, je m'en viens à mon bureau avec mon verre de vin, je connecte avec des femmes, je retourne un petit peu plus tard dans le salon, j'écoute le film avec mon chum. Tu sais, c'est juste de prendre un petit 30 minutes, une heure, une fois par jour, puis vous pouvez accomplir énormément, là. Quand vous êtes bien organisé. Votre heure, quand vous assisez à votre bureau, on a des feuilles pour vous, comme ça. Vous cochez, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous en allez dans le salon, vous avez la tête tranquille, vous avez fait vos actions. Vous avez tous les outils là, avec vous là, pour avoir du succès et accomplir ce que vous voulez accomplir. Ouais. En as-tu une dernière chose ou on a... passer au travers. Parce que nous, hein, on, les trois ensemble, on peut parler jusqu'à minuit, là. Fait que... La constance. Mon Dieu, ben non, Nancy. T'en prends des coachs. Regarde, moi, je suis la doyenne, là, avec ces deux jeunesses-là, là. Ouais, j'ai réussi, pareil, là. Encore plus doyenne. Mais il y en a énormément de ton âge qui s'inscrivent dans le coaching. C'est impressionnant. Vraiment. C'est sûr que la plupart que moi je vois passer, c'est plus des filles à peu près de votre âge ou un petit peu plus vieilles. De mon âge, j'en ai pas vraiment vu beaucoup. Fait que comme je t'ai parlé cette semaine, c'est un petit peu mon inquiétude première là, de dire « Coudonc, es-tu inspirante, elle, cette vieille-là? Là? » Tu vas être fois mille inspirante. Puis imagine la clientèle que tu vas aller chercher, justement, de ton âge. Parce que, tu sais, souvent, justement, des femmes de ton âge, des fois, sont pas à l'aise avec des femmes plus jeunes, sont vraiment pas à l'aise. Donc, imagine la clientèle que tu peux aller chercher, justement. Moi, je pense que c'est une inspiration énormément parce que combien de femmes d'un certain âge ont tellement d'excuses. Oh, moi, je suis rendue bien, je ne peux plus faire d'exercice, je perds plus de poids. Moi, rendu à une telle âge, on perd plus de poids. Donc, imagine l'inspiration que tu pourrais avoir. Oui. C'est sûr. Et sur Maud, on en avait parlé cette semaine, mais j'avais comme envie aussi d'avoir l'opinion de d'autres personnes également. Ben, moi, je vais te donner un exemple, Nancy. Oui. Tu sais, veut pas être un petit milieu, donc tout le monde se connaît ici, hein? On s'entend. Puis, il y a deux filles qui se sont lancées dans l'aventure, sont pas coachs, mais comme participantes, avec une de mes coachs à moi. Okay. Ils ne se sentaient pas à l'aise de venir avec moi. Okay. Parce qu'ils se disaient, hey, moi, je pourrais jamais faire ce que Marie-France fait, là. C'est bien trop intense, ces programmes-là. Puis quand ils ont vu que l'autre le faisait, ils disaient « Ah ben ouais, c'est quand même pas si pire. » Tu sais, si elle le fait. Fait que, tu sais, juste pour dire qu'on rejoint chacune notre type de personne. Tu sais, notre type de clientèle. Tu sais, veux pas, toi, tu vas avoir ta clientèle à toi. Puis, comme exactement ce qu'on disait tantôt, là. Oui. La confiance, tu sais, veux pas, des fois c'est plus facile d'avoir confiance avec quelqu'un qui vit les mêmes choses, tu sais, veux pas, tu sais, justement, comme Marie disait, tu sais, moi je serais jamais capable de faire ça, mais toi, si tu montres aux gens justement ce que tu vis, tu sais, en tant que, tu sais, avec ton âge et tout, ben, les gens vont s'approprier à toi, tu sais, vont se voir dans toi et non dans moi, tu sais. Fait que ça là-dessus, puis sérieux, là, de plus en plus, on en voit beaucoup, beaucoup, surtout avec To Be Mindset, là, c'est incroyable. Vraiment, vraiment beaucoup de toutes les âges. Puis je suis certaine que t'es même pas la plus vieille. Parce que, mais semble, il y en avait dans... Ouais, parce que même au summit, quand on était à l'œil, là, on avait connu un petit peu plus vieille, ouais.
La constance, bien, la constance, Nancy, c'est, moi, je dis tout le temps que l'habitude se crée, la constance, ça se crée aussi parce que, tu sais, veux pas, tu vas être un modèle de motivation pour, ben si tu veux te lancer dans le coaching, ben il faut que toi, tu sois constante aussi dans tes entraînements. Voilà, ouais. C'est ça, des fois, là, tu dis, hey, mon Dieu, ça me tente pas, sauf que là, ça va te donner la motivation supplémentaire. Ça donne une motivation, vraiment. Oh oui, vraiment. Moi qui tripe sur l'entraînement, des fois, je me dis, ça me tente pas de me donner à fond, tu sais, mais tabarouette, je pense à mes filles, puis je pense à la photo que je vais prendre après, puis à qu'est-ce que je vais leur dire, puis à qu'est-ce... Hey, là, ça me booste à fond. Ouais. Non, c'est vraiment... C'est ça. La constance aussi, là, de... En tant que coach, on travaille beaucoup le why. Vous allez en entendre beaucoup parler, le pourquoi du pourquoi. Quand on se lance dans le coaching, notre why, il évolue énormément. Parce que quand on devient coach, on travaille tellement sur soi que on a tellement de rêves. Quand on se sent bien, là, quand on est bien avec nous-mêmes, qu'on est en feu, qu'on est en forme, puis tout ça, on a le goût d'accomplir beaucoup de choses. Il y a des rêves, tu veux accomplir autre chose que on a tous des rêves dans la vie là, qui nous passionnent. Donc, cette constance-là, elle devient beaucoup plus constante lorsqu'on évolue dans le coaching parce qu'on devient encore plus de rêves, on veut encore plus accomplir, on veut être encore mieux avec nous-mêmes, on veut être encore une meilleure personne. Donc, moi, ça me pousse à être tout le temps constante, à me lever à toujours le matin puis me dire « je continue », juste de voir l'évolution que j'ai et les rêves que je veux aller chercher, ça me pousse tellement à le faire à tous les jours. Autant mon entraînement, autant la nutrition, autant le coaching, autant tout ce que j'ai à faire, ça me pousse tellement parce que je vois ce qui s'en vient, je vois comment je deviens, je vois tout ça. Donc, on travaille beaucoup dans le coaching, ce beau « why-là » avec le développement personnel. Donc, ça fait que la constance, elle vient tout seul. Là. OK. Super! Hey, vous êtes hot, les filles! Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On prend à parler tellement longtemps parce que le coaching, c'est tellement, c'est tellement merveilleux. C'est une passion, on pourrait en parler toute la nuit. C'est ça! On pourrait tellement en parler longtemps, puis ces appels-là, là, des fois, là, ça n'arrête plus, puis il faut qu'on arrête parce qu'on commence à se répéter. Mais juste pour vous dire qu'on est là pour vous. Si vous avez d'autres craintes, on va pouvoir répondre à vos questions, puis tout ça. Puis j'espère que ça a répondu à vos questions, que votre flamme a grandi avec cet appel-là. Puis si vous êtes ici, c'est ça, c'est que vous avez la petite flamme de faire un... d'être positif, d'être influenceur avec les autres femmes, d'aider les autres femmes. Puis, super, ma belle. Donc, je suis super contente que vous avez été présente avec nous ce soir. Puis, on va se parler en privé, là, de toute façon, comme que je viens de dire. Puis, on va pouvoir répondre à vos questions. Puis, j'espère de vous voir dans la formation. Imagine si vous êtes toute la belle petite gang en formation ensemble, vous allez pouvoir vous entraider. Toutes des success partners ensemble. Oui! Donc, je souhaite une super belle soirée, puis j'ai hâte de vous parler là, en privé. Donc, merci les filles d'avoir été présentes. Merci! Bye! Bye. Bye.